Je m'appelle Daniel Sauté, je suis né à Florenville en 1949 et je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fils de Ernest Sauté qui a racheté à Napoléon Bonaparte l'imprimerie au Bois des Épioux et qui l'a transférée à Florenville. Donc dans notre famille, nous sommes à la quatrième génération d'imprimeurs. Moi, de mon côté, j'ai fait l'école normale à l'ISMA à Arlon, de laquelle je suis sorti diplômé en 1968, et j'ai fait une carrière dans l'enseignement en passant par Comines tout d'abord, et puis par Virton, et terminé ici à Bastogne, où j'ai été pensionné en 2005. Depuis toujours, naturellement, j'ai été fils d'imprimeur, fils de libraire, j'ai été porté pour tout ce qui est de la librairie, du rédactionnel, tout ce qui est des livres. Et alors j'ai participé à plusieurs rédactions de magazines, dont Ardennes Magazine, et puis Reflet de Bastogne, Déclic, le Passe-Partout, et aujourd'hui Proximac, pour lequel je suis responsable rédactionnel pour la zone de Bastogne. Proximac, qui est un bimensuel que on reçoit ici à Bastogne par la poste. Pour d'autres, c'est par Belgique Diffusion. C'est un magazine qui est très riche au niveau de la variété des articles et qui est distribué suivant des zones. Il y a 5 zones pour la province de Luxembourg, sans compter le Namurois et toutes les provinces d'ailleurs. Et pour Bastogne, nous couvrons les communes de Martelange, Fauvillers, Bertogne, Bastogne, Vaux-sur-Sûre, L'Église, Tenneville, Oufalize et La Roche. Dans le Proximac, chaque semaine, vous pouvez découvrir les petites annonces, bien entendu, mais vous pouvez découvrir aussi un agenda qui est très important pour ceux qui souhaitent participer à une manifestation de quelque nature que ce soit. Je peux d'ailleurs vous montrer, feuilletons ensemble, Proximac, que voici, hein, la dernière édition sortie. Et vous voyez qu'il y a d'abord en couverture, vous avez le personnage, la personne qui est présentée chaque fois. C'est une personne différente, bien entendu. Et vous avez l'événement le plus important qui se trouve à l'intérieur. Ici, on présentait le Grand J'ai dit oui, dernier Grand J'ai dit oui du Pas de Carnaval de Bastogne, toujours en page 3. Les articles sont des articles d'intérêt général aussi, mais en ce qui concerne les intérêts particuliers pour chaque région, on voit ici la présentation toujours d'un restaurant avec l'astuce du chef. On a des produits de consommation, 3 produits de bouche, donc cela à la page 6. En page 8, on a un micro-trottoir qui répond à une question. Et la question là, c'était le bricolage est-il une affaire d'homme? Et puis, plus loin, on retrouve la présentation de 2 nouveaux commerçants sur la zone. Et on retrouve enfin un article de sport. Tous les articles ont une philosophie qui fait que quand le lecteur a pris connaissance du texte, il y a une certaine envie pour participer, notamment par exemple dans le sport. Et puis alors on a les nouvelles, les news, les événements passés, les événements à venir. Et alors l'article phare, qui est le gros événement qui a été choisi pour cette quinzaine. Et enfin, on termine par l'agenda avant d'avoir toutes nouvelles, jeux, etc. dans les pages qui font l'ensemble de votre Proximac que vous recevez tous les 15 jours dans votre boîte aux lettres. Il est un fait qu'il y a une complémentarité qui devra jouer tôt ou tard parce que les websites seront quasi indispensables au quotidien et seront aussi parallèlement une information supplémentaire ou une information en complémentarité, que ce soit pour la version magazine papier ou que ce soit pour le website. Et je crois que là, c'est vraiment une source d'avenir pour tous les foyers. Nous avons Proximac,
qui passe sur le site, donc c'est le site de l'Avenir du Luxembourg, où on retrouve nos différents articles pour les différentes régions. Donc le lecteur peut aussi être peut aussi visualiser les textes et les reportages qui sont pris. Donc la TV, c'est aussi un plus et certainement un apport peut-être encore meilleur parce que là, il y a la qualité de l'image et s'il y a qualité de texte avant et qualité d'image après, c'est une qualité supérieure en tout. Si j'assume un reportage dans notre rubrique consommer local, c'est-à-dire la présentation d'un restaurant avec l'astuce du chef, on peut très bien retrouver cela en reportage TV, et ce qui fait que pour le commerçant, c'est non pas un plus, c'est un double plus, d'autant que c'est de la publicité entièrement gratuite des deux côtés. Autre possibilité, c'est un échange. C'est un échange d'informations. Ce qui veut dire que le particulier, pourquoi pas, ne pourrait-il envoyer un reportage qu'il a assumé lui-même, à condition que ça sorte du cadre familial, bien entendu, pour qu'il y ait un intérêt général. Mais il est un fait qu'aujourd'hui, quand on voit déjà avec les GSM le nombre d'images qu'on nous passe à la télévision parce qu'il y a eu un crash, parce qu'il y a eu un incendie, etc., et que les journalistes ne sont pas nécessairement sur le coup. Donc ça, certainement, une collaboration entre les deux, c'est un futur meilleur pour tout le monde.